Eh bien, salut tout le monde, c'est XBSKR, on se retrouve pour la suite de nos aventures sur Die Evil Within de conséquences, en bon Frenchy. Et... c'est... qu'est-ce que je foutais là, moi, encore? Attendez, comment ça se fait? Je venais d'où, moi? Je ne me rappelle pas de cet endroit. Quelqu'un s'en souvient? Je n'en ai point souvenir, je vous avouerai. Ma foi. Oui, j'ai la mémoire courte. Oh putain. Ah. D'ailleurs, j'ai toujours pas réglé mon problème de. De truc là. Vous pouvez constater. Ok, c'est pas sérieux. Là, il vient de me prendre la lampe torche, pourquoi? Le jeu, tu as bien expliqué pourquoi tu m'as pris ma lampe torche et pas la... attendez... ah bah ça a l'air chouette, dis donc. Bon. Oups. Je... pourquoi tu veux pas me reprendre ma bouteille? Putain. Le plus c'est que je sens que je vais en avoir besoin. Bon, en tout cas, ils ont l'air d'avoir un pattern assez idiot. J'espère qu'on va pouvoir y arriver. On va juste suivre le petit gros là. Apparemment, il y a un moment où est-ce qu'ils sont tous les deux désynchronisés. Viens pas ici, mon cochon. Reste où tu étais, c'était bien. C'est là. Pourquoi il y a ça ici? Pourquoi je sens qu'il vient? Ah oui, il vient cet enculé. Est-ce que je suis pas venir ici? Ça va, il vient pas ici. Et il faut une carte! Ah, elle est où cette carte? Oh merde! J'aime pas là. Ah, je vous avoue que j'aime pas ce qui est en train de se produire là. Je suis totalement perdu, je ne sais absolument pas où je dois aller, ça me casse les couilles déjà. S'il te plaît, ignore-moi! Ignore-moi! Ouais, oh, super, non, les steaks. Il y a pas une bouteille là. Ok. Donc, apparemment. On peut le constater ici présent. Je ne peux pas passer sans avoir la bouteille! Donc tu m'expliques pourquoi? Ouais, attention, attention chéri, s'il te plaît. Je pense pas faire la... faire l'idiote. Non, arrête! Arrête de mettre des coups de pied. Bon, pourquoi est-ce que... désolé, hein, je sais que c'est le casse-couille, mais... pourquoi est-ce que tout d'un coup, là... je m'en branle, c'est la manette, ça. Je veux mon clavier, moi!
marché. Notre action est déjà attribuée sur cette touche. Quoi ? Non. Ah, vous avez attribué cette touche. Hein ? Attendez, c'est que... Qu'est-ce que... Le jeu ! Qu'est-ce que tu es en train de... Mais... Ah, mais... Ah, putain, clavier QWERTY de merde. Qu'est-ce que j'ai fait ? Oui, attribuer tout, s'il te plaît. Bon, là, il va techniquement me faire chier. Parce que, ouais, ça marche plus. Et ça marche toujours pas, putain, je vous jure. Ah là là, ces gens qui savent même pas faire une bonne attribution de touche. Z. Hop. Z. Tu veux bien me retirer le W ? Ça te tuerait un peu ? Non ? Voilà. Ok, donc un jour tu veux bien le faire. C'est bon. Bon. Ah bah. Maintenant ça marche, putain. Putain, vous êtes sérieux quoi? J'ai un problème là. Ouais, il y a mon A qui bug. Putain. Ok, maintenant c'est le A qui bug. Fait chier. Désolé, je sais, c'est pas le moment pour faire ce genre de conneries, mais. Tindré, mais. Donc. Oh. Non, ne bug plus, s'il te plaît. C'est bon, tout remarche, nickel! On va prendre la bouteille. Bon, déjà, faut que je fasse gaffe à ce petit con là. Ouais, celui-là, là-bas. La bouteille. Tu peux pas revenir par ici, s'il te plaît. Comment j'avais fait pour passer sans qu'il me spot. La 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 la. Ouf. Ah, allez, respirons un peu. Il y a un rat là. Je peux le taper. Non, je peux pas le taper. C'est quoi ce jeu entier? C'est quoi ce jeu qui préserve les rats là? Pourquoi je trouve que c'est pas un bon plan de faire ça? Pourquoi il y a un escargot là? Tiens! What? Objet obtenu. C'était quoi ce... Pourquoi je suis mineux? Faut être sérieux là. Il était sérieux avec cet escargot. S'il te plaît, dis-moi qu'on va pas revenir avec Ruvik. Il fait très sombre, mais il n'y a pas l'air d'y avoir d'ennemis. Ok. Donc. Alors, on m'explique comment je passe ?
Ok. Hein? Ah, c'est le passage avec quand Sébastien se fait agresser par. Mais c'est quoi? Qu'est-ce qu'il a le jeu aujourd'hui? Les effets de particules, c'est bizarre. En voilà d'autres. Ouais, en voilà d'autres, comme tu dis. Ah. C'est ils sont combien là? Apparemment il doit être tout seul. Ce que j'espère honnêtement. J'espère honnêtement qu'il sera tout seul. Ah non, il est pas tout seul, c'est quoi, putain. Ah bah je. Ah bah il y a une hache là, lol. Cœur qui bat là apparemment. Donc là je vois qu'il y a le zombie donc. Si je peux au moins tuer celui-là, ce serait nickel. Mais là je ne le vois nulle part. Ah c'est bon, ils sont de retour dans leur. Que je te suis là, ça sera nickel. Oh merde! À tous les coups, il m'a spoté. Ah ben oui! Hein? Ah mais non! Lâchez-moi! Espérez, petit con. Mais attendez, ils sont combien là en fait? Ah, ils sont trois? Bonjour! Ah! Non! Ah bah. Ils sont venus à 3 sur moi. D'accord, bah ils sont 3. Bah le 3ème, faudra me dire où il était, hein. Parce que je l'ai pas vu. Bah, je dis pas que c'est casse-couille ce genre de truc, mais. Ça fait casse-couille quand même. Ah, j'ai plus ma bouteille. Super. Alors j'ai une question existentielle. Et où le troisième? Restez près du feu. C'est jamais. Le feu c'est beau mais ça brûle comme on dit. J'aimerais bien se tuer en fait. Faut que j'essaye d'en tuer un, mais comment je vais faire?
faire. J'écris souvent. J'ai créé ce monde. Bien. Ton monde, je vais le brûler. Allez, crève! Pas une autre âge dans le coin par hasard. Ah d'accord, il est par là l'autre. Ok. Bon, ben on avance. Déjà pas mal. Mais ça devrait aller, il va se retourner de toute façon. De toute façon, j'ai aucun moyen de le tuer. Le problème, c'est l'autre. Allez, tente-toi. Ah, le problème, c'est lui, là. S'il n'y a pas une autre âge dans le coin, je vais pas y arriver, quoi. Il manque quelque chose, ici. Ok, un petit chemin. Donc, ça veut dire qu'on peut y accéder. Donc, ça veut dire que, techniquement, je peux peut-être... arriver à attirer l'attention de l'autre. Je n'en suis pas prisonnier. Il est où? Ah, il arrive. Vous voyez se planquer ici. Ne vient pas par ici. Nickel. Voilà, voilà. Allez, brûle, Ruvik, brûle. Burn, motherfucker, burn. Génial. Les zombies sont tous restés là, par contre, hein. La dernière fois, ils sont tous morts, et là... La 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 la. Je vais te tuer, Ruvik. Tu m'entends? Tu vas brûler. Leslie, non. Je t'en supplie. Tout va bien. Et tout ira bien. J'espère. Ouais! On a récupéré le flingue! Par ici. J'ai pas de balles! Lol.
C'est terminé. J'espère que ce connard n'en reviendra pas. Je l'espère pour toi, Leslie. On sent qu'elle en peut plus, là. On sent qu'elle est à bout de nerfs, là, ça se sent. Hé, le parc ! Leslie peut rentrer. Rentrer à la maison avec le train. Non, Leslie. Pas tout de suite. Tu me protégeras ? Oui. C'est mon job. Bien, bien, bien. Quand je rentrerai, ils seront surpris. Tu n'y es pour rien. Désolée. Arrêtez. Vous faites une grave erreur. Vous ne comprenez pas. Vous ne savez pas ce qu'il va devenir. Nous savons ce qu'il va devenir. C'est pour ça que nous le voulons. Vous ne comprenez pas ce que veut Ruvik. Ruvik est un cadavre. C'est Leslie qu'il veut. Mais nous aussi. Et vous le craignez plus que nous. Ce n'est pas une plaisanterie. J'ai une mission. Il ne doit pas s'emparer de lui. Leslie est le seul qui peut... Faites pas ça. Oh merde. Ça commence à devenir sérieux là. Mais c'est bizarre, j'avais vu des ennemis avec des shotguns dans le trailer et ils sont pas encore là. J'aurais bien aimé les voir. Déjà chapitre 4, c'est bizarre. Avec deux chapitres pourtant. Ma foi. On est peut-être déjà à la fin du jeu, hein. C'est un peu dommage quand même. Trop tard. Il faut que je l'arrête. Tu veux l'arrêter avec le peu de munitions que t'as là ? J'ai pas une mune, il y a une hache. Allez, voilà. Ah.
nos questions. De quoi avez-vous peur? Qu'est-ce qui vous hante à ce point? Quel est ce besoin que nous sommes les seuls à pouvoir satisfaire? C'est votre vie pitoyable que vous voulez retrouver? N'êtes-vous pas reconnaissante de ce qu'on a fait pour vous? Nous vous avons accueillis parmi nous. Nous vous avons donné une nouvelle vie. Pourquoi nous tournez-vous le dos? Pourquoi refusez-vous d'obéir? Ça suffit! Fermez-la et dégagez! Wow! Ça, ça a bien changé là, tout d'un coup. Là, le truc casse-cou, c'est que j'ai un flingue. Ouais. Ah, ben là, il se lit. Sage. Ce qui est casse-cou, c'est que j'ai un flingue. Mais je ne peux pas m'en servir parce que les gens n'ont pas voulu me donner des munitions. Et là, vous le sentez que les cadavres vont revenir à la vie? Les patients meurent quand ils sont connectés à la machine. Qu'est-ce que ça veut dire, Jiménez? Après ce que vous lui avez fait. Enfin, ce n'est qu'une supposition. Mais c'est comme si la conscience de Ruben était prise au piège dans le STEM. Et il attaque tous ceux qui essaient d'y entrer. C'est inexcusable. Pour régler ce problème, nous n'avons pas fait tout ce travail pour rien. Ruvik. Il était dans le STEM depuis le début. Eh bien, il ne mourra pas. Je suis pas prêt à le parier qu'il ne l'aura pas, perso. Vu comment j'ai très peu de munitions, s'il y a du gunfight, je suis dans la merde. Mais pourquoi Leslie? Qu'a-t-il de spécial? Il n'a pas toujours été comme ça. Il est devenu catatonique après un événement traumatisant dans son enfance. Sa famille a été tuée sous ses yeux. Les données suggèrent que la synchronisation cérébrale avec Ruben est liée à un traumatisme spécifique. Pour Ruben, la perte de sa propre famille. C'est ennuyeux. Il nous faut une autre corrélation. Quelque chose qui corresponde à un plus vaste éventail d'individus. Ok. Fatal Error. Ah, d'accord. Depuis quand les PC prennent des Fatal Error? Expliquez. Attendez. Je peux pas. Non, je peux pas aller par là, donc ça veut dire que je suis obligé d'aller par là. Nos progrès ne sont pas assez rapides pour eux. Ils nous demandent des comptes rendus réguliers. Seuls les résultats comptaient au début. Mais voilà qu'ils nous imposent des délais selon leurs besoins. Typique des bureaucrates. J'essaie de pousser Ruben, mais il s'éloigne davantage. Il travaille chez lui et refuse de venir au laboratoire, à moins que ce soit pour travailler sur le prototype du STEM. L'inquiétude me gagne. Mobius doit commencer à se poser des questions sur nous. Ah, même beaucoup de questions. Ça a l'air glorieux ici. Y'a pas un truc à checker? Non, apparemment non. Que dalle. Ok. Donc on va y voir ailleurs. Ah. Juste ici. Il nous faut une personne rationnelle dans le STEM. Il lui serait possible de neutraliser Ruben. Enfin, Ruvik. Grâce à mes connaissances du système, je pourrais vous être... Il n'en est pas question. Je ne veux pas que vous compliquiez les choses davantage. Nous allons préparer l'un des nôtres.
Envoyer quelqu'un d'inexpérimenté, on ne sait même pas s'il pourra revenir. Dans ce cas, nous choisirons quelqu'un de superflu. Superflu. C'est donc comme ça que vous me considérez. Et moi qui vous faisais confiance. C'est quoi ce gaz qui arrive là? Je peux passer, non? Hein? Pourquoi la porte est fermée? Ah d'accord, faut recréer la zone. Il est où le dernier point alors? Il est là. Votre intérieur alors logiquement, ouais. Où est-ce que je suis encore? Oh non, t'es pas sérieux, pas ici. S'il vous plaît. Me dites pas que c'est l'endroit du début avec le mec... avec la hache là, parce que sinon je vais péter un câble. Ah si, je suis ici, hein. Sébastien est venu ici. Désolé, j'ai un peu peur, là. Si on voit le mec avec ça... je vais courir. Putain, ça m'a fait peur, j'ai cru vraiment qu'ils allaient se réactiver les trucs. Oh non. Bon, techniquement c'est vachement plus tard, donc techniquement on va pas le rencontrer le monstre. Allez, j'espère bien. Je ne suis pas émotionnellement prêt pour ça. Vous ne m'arrêterez pas! Pour le coup, si j'aimerais bien arrêter, moi, si c'est possible. C'est quoi, ça devient relou cette histoire? Très relou. Un truc pour se planquer. Ah bah non, c'est un truc pour avancer en fait. Désolé. J'adore les conduits. J'adore ces conduits. Dans les shotguns maintenant. Ah, une autre hache, j'en ai déjà une. Lol. Dans le cerveau! Ouais! C'est bon. J'en ai assez. T'en as assez, mais bizarrement t'as plus de munitions dans le flingue, donc comment tu vas faire? Tu m'expliques rapidement. Comment tu vas faire? T'as pas une mune. Le prochain gars... Ah! D'accord. Je dis t'as plus une mune, il me faut plein de mune quoi. Je suppose que cette arme est utilisable uniquement pour ouvrir la porte, c'est ça?
c'est... Y'a pas une mine ? Une petite mine, n'importe quoi, là. Ah, putain de merde, quoi. Oh, merde. Ah, merde ! Oh merde! Salut ma gueule, bam! Cerveau. Putain, deux balles. Tiens, attendez, mais en plus c'est un canon à quoi ça? C'est un canon à une balle? Okay, faut... Putain, faut vraiment avoir envie de garder ses munitions, hein. Toi, à tous les coups, tu vas te réveiller. À tous les coups, il y en a un qui va se réveiller, vous allez voir. J'ai vu qu'il y avait un petit chemin en bas, donc on peut peut-être espérer. De toute façon, la vitre est toute cassée ici maintenant. Y'a pas des munes ? C'était pas prévu par contre. Je n'avais absolument pas prévu ce cas de figure. Parce que maintenant je me retrouve avec deux balles. Bon, mais j'ai plus qu'à espérer que mon skill soit suffisant pour... suffisant pour avancer. On va voir ça. Hein. Ah, des munes. Battre ? Pas de soucis moi. Oh putain mais... Non, ça va pas le faire, il me tire. Wouh ! Ah non ! Ouais, je suis dead. Hein ? Je suis pas mort ? Oh mon dieu, ce safe quoi. Une mine là par contre. Des merdes. Ah ouais, je fais comment là? Voilà, foutu. Bon! On va revenir où déjà? Si. Vous savez qu'on va s'arrêter ici et on reviendra. Pour le prochain épisode, ici. Voilà. C'est dit. Bon, de toute façon, on va essayer d'économiser munitions. Apparemment, on peut juste courir et éviter les mobs. Ça devrait être suffisant, je pense. Ce que j'espère, honnêtement.
Mais bon, allez, sur ce, Lilou, je vous laisse. Prenez soin de vous. Prenez soin d'Eric Cannon, n'ayez pas d'avoir là. Oui, attitude. Comme d'habitude, j'ai trouvé beaucoup quoi, sa chanson, que c'est exclusif. Je vous laisse. Je vous fais plein de poutous partout. Je vous dis à la prochaine pour une nouvelle vidéo. Ciao, bye, et bouti.